suis avec toi ici. Je suis précieux. I am precious. Je suis précieux. I am precious. Je suis dans la main de l'Éternel. I am in the hand of the Almighty. Il peut changer ma condition à n'importe quel moment. Si tu sais ce que je sais. If you know what I know. Prends-moi comme ton ami. Take me like a friend. Prends-moi comme ton ami cher. Take me as your dear friend. Parce que si j'avance, because if I advance, mon meilleur ami doit avancer. My best friend must advance. Si j'avance, if I advance, mes collègues doivent avancer. My colleagues must advance. Je vais vous annoncer que I want to announce to you that après cette saison, after this season, la personne qui est à côté de toi, the person that is next to you, sera au sommet de la colline. Will be above. La personne sera au sommet de la montagne. The person will be above the mountain. Mais si tu es collé à la personne, so if you are attached to la personne avance, and the person avances, tu vas avancer. You will advance. Si tu es collé à la personne, if you are attached to the person, et que la personne progresse, and the person is progressing, tu vas progresser. You will progress. Si tu es collé à la personne, if you are attached to the person, parce que très souvent, because most often, on connaît les gens. We know people. Mais on ne connaît pas leur futur. But we don't know their future. On ne connaît pas leur avenir. We don't know their future. Mais lorsqu'ils avancent, but when they advance, on commence à dire, mais c'est pas la personne qui est ici. And we begin to ask, hey, is it not the person that was sleeping? C'est pas la même personne qui dormait avec moi? Is it not the person that was sleeping along with me? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I talking to somebody? Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. If you believe that, clap on the Lord in the name of Jesus. D'une manière spéciale, in a special way, on va acclamer le Seigneur pour mon frère. Let's clap on to the Lord for our pastor. Le pasteur. Our pastor. David de cette maison. The father of this house. Pasteur Kawara. Pastor Emmanuel David Kawara. Acclamons le Seigneur, Dieu le Dieu. Lift your hands unto the Lord for his life. Remercions le Seigneur pour lui et sa femme. Thank the Lord for his life. Veuillez-vous asseoir. You may have your seat. Je remercie l'Éternel pour cette opportunité. I want to thank the Lord for this opportunity. Je vous envoie une salutation très chère et profonde de notre évêque. I bring you greetings from our bishop. Notre père, mon père. Our father, my father. Je dis aux gens toujours que je ne suis pas un bâtard spirituel. I also people that I'm not a spiritual bastard. Amen. Amen. Vous connaissez, vous comprenez le sens, n'est-ce pas? Do you know that you know what I'm driving at? Lorsque David a tué Goliath, when David killed Goliath, et il n'avait pas d'épée pour égorger Goliath. He wasn't having enough to cut the neck of Goliath. Il est parti avec audace. With audacity. Il a pris l'épée de Goliath. He took the sword of Goliath. C'était plus long que lui. It was even longer than him. Il tirait ça comme ça pour he took his sword égorger Goliath. To cut his neck. Saül le roi l'a regardé and avec saw the king look at him. Avec choc. He was shocked. Il a dit, celui-ci est le fils de qui? He said, this one. Whose son is he? Il n'a pas dit comment il s'appelle. He did not say what is his name. Parce que lorsqu'il voit le fils, il voit le père. Because whenever he sees the son, donc, he sees the nous sommes bénis parce que nous sommes en compagnie de notre père. So we are blessed because we are accompanied. Donc by je vous salue au nom de mon père, mon bishop, le docteur F. Wolobele. So I greet you in the name of my papa, my bishop. Dr. Wolobele. Et je vous envoie une salutation sincère de la part de ma femme. So I also bring a sincere greeting from my wife. Lisa et toute l'église de là-bas. And Lisa and all of the church. Surtout la communauté francophone. And specifically the francophone. Je vous dis que je représente la communauté francophone. I told you that I'm representing the French church. Je vous apporte une salutation la plus sincère. I bring you greeting, sincere greeting from the French. J'ai parlé avec eux ce matin. I was talking with them. Ils sont tous contents. They are all happy. Ils vous saluent. And greet. Ils sont avec vous en esprit. They are with you in spirit. Et leur prière aussi avec vous. And their prayers are with you. Amen. Amen. Comme le pasteur a dit. As the pastor said. On n'a pas trop de temps. We don't have much time. Mais
Je vais prendre mon temps pour pouvoir enseigner quelque chose. But I will take my time to teach you something. Vous pouvez lire dans le livre de Jean chapitre 12. So open your Bibles in the book of John chapter 12. Et je vous encourage, tenez-vous debout pour que nous puissions ensemble. And I want you to stand up as we read lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 12, verset 1, John verset 12, 11. Verset 1 à verset 11. John chapter 12, verse 1 and verse 11. 6 jours après la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie et où habitait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe, Jean chapitre 12, verset 1. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Quelqu'un dit un parfum très cher. Somebody say a very expensive perfume. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit : pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. La parole du Seigneur. Amen. Sur ce thème, dans ce passage, lorsqu'on venait, when we were coming, à la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone, between Liberia and Sierra Leone, aux environs de 1h matin, between 1 o'clock in the morning, le Seigneur m'a donné ce message. The Lord gave me this message. Sans savoir que j'allais même prêcher ici en Guinée. Without knowing that I would be sans savoir que j'allais prêcher à une communauté très chère et spéciale. Without knowing that I would preach a precious community. Et le message est intitulé. And the message is entitled. Je ne suis plus coupable. I am no more condemned. Je suis reconnaissant. I am grateful. Yeah, I'm grateful. Plus coupable. I'm no more condemned. Mais reconnaissant. But I'm grateful. I would prefer guilty. Oh, guilty. Okay. I'm no more guilty. Je ne suis plus coupable. I'm no more guilty. Donc je suis reconnaissant. But I am grateful. Seigneur, nous prions. Lord, we pray. Pour cette parole. For this word. Seigneur, les herbes dessèchent et l'homme meurt. Mais ta parole subsiste de génération en génération, pour des siècles et des siècles. Seigneur, où est mes lèvres, où est nos lèvres, où est ma vie, où est ma voix, mon Dieu, pour donner la vie à tes enfants, à travers ta parole. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous donne sont les esprits et la vie. Que la vie soit répandue dans le corps et dans la vie de tes fils et tes filles. Qu'il y ait la délivrance, le salut et l'intervention divine dans la vie de tes fils et tes filles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, délivre quelqu'un ce matin. Enlève, mon Dieu, les écailles dans leurs yeux ce matin pour pouvoir expérimenter la grandeur et la grâce de ton salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, touche quelqu'un ici ce matin.
Seigneur Dieu, que le salut entre dans le corps et dans la maison, dans le foyer de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est emprisonné spirituellement, physiquement, mentalement, qu'il soit libéré ce matin. À cause de ta parole de liberté et de libération. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. You may have your seat, please. C'est ma prière. This is my prayer. Qu'à partir d'aujourd'hui, from today, l'Éternel va se manifester. The Lord will manifest dans la vie de quelqu'un. In the life of somebody. Je, pendant que j'étais assis, when I was seated, le Seigneur me disait, the Lord was telling me, il y a certaines personnes ici, there are certain people here, qui auront de grands boulots cette semaine et ce mois avant la fin de cette année. Big job, big work to do. Il y a certaines personnes ici, there are certain people la here. Faveur de Dieu vous suivra cette semaine et ce mois et cette année. This month, une and faveur qui sera vraiment puissante que rien ne peut résister. A favor that is going to be so powerful that une grâce extraordinaire. A great, il y a certaines personnes ici certain people here qui étaient rejetées dans leur famille, was rejected in their condamnées par leurs frères et sœurs, oubliées par certains amis avec lesquels ils ont vécu l'enfance. Forgotten by some friends that they live with. Il y a certaines personnes, there are certain people here, vos bonnes œuvres ont été oubliées par les personnes. Your thinking has been forgotten by people. Par certaines personnes qui sont bien placées aujourd'hui, that are well placed today in society. C'est comme si le faire le bon, faire le bien est mauvais. It's like doing good is bad. Il y a certaines personnes oubliées par certaines personnes en autorité aujourd'hui. There are certain people have been forgotten. Je viens vous annoncer que Dieu vous a pas oublié. But I want to announce that Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Le Seigneur t'a pas oublié. Je viens cette semaine pour te dire, le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. Et le ciel sera ouvert sur toi cette semaine. Si tu le crois, crie Alléluia. Dans ce passage que nous avons lu, cette histoire est écrite dans tous les évangiles. It's written in all of the c'est écrit en Matthieu. This is in the book of Matthew. Luc. In Luke. Marc. Ce que les théologiens appellent les évangiles call, synoptiques. What theologians call synoptic gospel. Synoptic gospel. Thank you. Dans les évangiles synoptiques, what they call synoptic gospel. Ils racontent la même histoire. They give the same account. Selon le fait, according to the truth, selon la réalité, according to reality. Mais il y a d'autres qui ajoutent un peu de détails. But there are others that you give little detail. Lorsque nous lisons Jean, when we read the book of John, Jean parle de les sœurs de Lazare qui a été ressuscité. And John talked about the sisters of Lazarus that was resurrected. Oh, donc Lazare est un témoin. So Lazarus is a living testimony. Nous avons le témoin vivant ici. We have living testimony. De la bonté de l'Éternel. On the goodness of the Lord. Témoin oculaire. Of living testimony. De la bonté du Seigneur. The goodness of the Lord. Lorsque nous lisons Luc, when we read the book of Luke, Luc parle d'une sœur. Luke talked about a daughter. Une femme. A woman. Son nom. Her name. Son nom. Her name. Without name. Without name, okay, without une femme sans nom. A woman without name. Lorsque Jésus se trouvait dans la maison de Lévi, when Jesus was in the house of Lévi, Simeon, le lèpre, the leper. Jésus était bien assis. Jesus was seated. Et la femme est venue vers Jésus. And the lady came towards Jesus. Elle s'appelle Marie, selon lui. Mary, according to mais ce que Luc a ajouté est que cette femme était une pécheuse. Notoire. This woman was a sinner. Une pécheuse très renommée. A well-renowned sinner. Comment on peut dire quelqu'un renommé mais pécheur? But how can we say this woman is a well? Elle était connue. She's a sinner. She's on l'a connue. En tant qu'une femme qui pêche, as a woman. En tant qu'une femme pécheresse, as a woman who sin, en tant qu'une femme qui ne fait rien de bon, as a woman who she was, en tant qu'une femme rejetée par la société, she was rejected by society.
La Bible dit Jésus-Christ était assis. But the Bible says Jesus was sur la table. On the table. Avec les hommes. With men. Les gourous religieux. And with religious people. Avec les hommes spirituels. Spiritual people. Pour eux. For them. La femme. This woman. Est pécheresse. Is a sinner. Pour eux. For them. C'est une femme sale. It's a dirty woman. C'est pour eux. For them. C'est une femme. She's a woman. Qui n'est pas sainte. That is not holy. Je ne connais pas tellement. I don't know really. Quel sort de péché. What are those sins. Marie a commis. That this woman committed. De sorte qu'elle était connue une femme pécheresse. That she was known all over as a sinner. De sorte que même la communauté corrompue l'appelait pécheur. Even up to the extent that the corrupt society called her a sinner. Imagine si un fou dit à une autre personne tu es malade. Just imagine if a fool tells another person that are you sick? Mais la Bible dit, but the Bible tells us, pendant que le Seigneur Jésus-Christ était assis à table, as the Lord was seated on the table, la femme était rentrée. The woman entered avec un parfum très cher. And she entered with a very expensive parfum très cher. Very expensive. Lorsqu'elle est rentrée, and when she entered, tous les hommes étaient assis avec le Seigneur. All the men that were seated with the Lord, tellement, so much, familier et habitué au maître, they were so much familiar with the Lord. Ils étaient assis sur la même table avec le Seigneur. They were seated on the same table with the Lord. Même, dans la même chaise avec le Seigneur. On the same chair with the Mais Lord. La femme est rentrée dans une forme d'adoration. But the woman entered in a form of worship. La femme est rentrée. The woman entered. Je sais que je ne suis pas pur. I know that I'm not worthy. Mais je sais comment attirer l'attention du Seigneur. I know how to call on the attention. Je sais que je ne suis pas qualifié. I know that I'm not qualified. Mais je sais comment implorer l'Éternel. I know how to call on the je Lord. Je sais comment j'ai été disqualifié. I know how I was disqualified. Je sais comment je suis rejeté. I know how I'm rejected. Je sais comment les gens sont contre moi. I know how people take Mais je sais une seule personne qui peut m'accepter. But I know there's one person that je can connais une seule personne qui I peut m'accepter tel que je suis. I know this person that can accept. Et cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Called the Lord Jesus. Cette personne c'est Jésus-Christ. This person is Jesus. Le roi des rois. The King of Kings. L'éternel des Seigneurs. The Lord. Seigneur, l'ami des prostituées, l'ami des scribes et des publicains, l'ami des rejetés, il s'appelle le Seigneur, le Sauveur des Sauveurs, the Savior of Saviors. La Bible dit, the Bible tells us, elle est rentrée, she entered, avec le parfum très cher, with this very expensive parfum, elle a cassé le parfum, and she broke it. Cassé la bouteille. She broke the bottle. Elle a commencé sur le Seigneur. And she began to put it on the Lord. Elle a commencé. She began to put it on the Lord. Oindre le corps du Seigneur. She began to anoint the Lord. Je suis en train d'imaginer. I'm just imagine. Lorsque tu aimes quelqu'un. When you love somebody. Même quand vous êtes assis. Anywhere you are seated together, tu aimes caresser la personne. You like to be close by the person. Tu aimes toucher la personne. You love touching the person. Et il y a une touche qui fait la différence. And there's a touch that makes different. Pendant que je pensais tellement que qu'est-ce que ce message doit faire avec une congrégation? As I think, pareil. As I was thinking, what does this message has to do with this congregation? Je cherchais un message à prêcher. I was looking for another message to preach. Le Seigneur m'a dit non, ce message est pour mon peuple. And the Lord said, this message. Je dis, mais tu as dit quoi? Donne-moi. And I said, Lord, for what does this mean? Explain to me what it means. Il m'a dit, rentre un peu dans l'histoire de la Guinée. And he said, enter a little bit in the history. Le mot Guinée ne veut pas, n'est pas un mot français. Le mot Guinée n'est pas un mot français. The name Guinée is not a French word. Le mot Guinée n'est pas un mot anglais. The name Guinée. Ce n'est pas un mot espagnol ou portugais. Not a Portuguese word.
Le mot Guinée veut dire une belle femme africaine. Et the word Guinée, c'est ce mot means a beautiful Guinée, woman, African woman. Je ne suis pas Guinée, je ne suis pas Soso. I am not Soso, I'm not Guinée. À l'aéroport. At the airport. Imaginez, j'ai reçu ce message pendant que je venais. C'est ma première fois de venir en Guinée. It's my first time to come to Guinea. Arrivé à l'aéroport. As we reached the airport. J'ai vu l'image et le monument d'une belle femme africaine. I saw the image of a beautiful African woman. Et l'image sur l'image. And on this image. C'est écrit bienvenue en Guinée. Alléluia. It's written welcome to Guinea. Non, le Seigneur m'a dit. And the Lord told me. Plusieurs fois. Many times. Les femmes sont tellement connectées à moi par rapport aux hommes. He said, women are mostly connected to me. Est-ce que je peux offenser un peu les hommes? Am I offensing a little bit the men? Les hommes étaient assis avec le Seigneur. The men were seated with the Lord. Ils n'adoraient pas le Seigneur. They were not worshiping the Lord. Les hommes étaient tellement familiers au Seigneur. The men were so much familiar with the Lord. Les hommes étaient tellement habitués au Seigneur. They were so used to the Lord. Mais la femme est rentrée avec une attitude d'adoration. This woman entered with an attitude of worship. Et son attitude d'adoration a changé l'atmosphère. And her attitude of worship changed the atmosphere. Cela veut dire. This means. Que la Guinée. The Guinée. Accepte le Seigneur Jésus Christ. Accept the Lord Jesus. Cela veut dire. This means. Que la Guinée. La Guinée. Servira le Seigneur Jésus Christ. Accept the Lord Jesus. Cela veut dire que la Guinée. Va changer sa situation avec la puissance et la présence du Seigneur Jésus-Christ. It means that Guinea's situation will change with the Lord. Cela veut dire que la Guinée. It means that Guinea va collaborer avec le Seigneur Jésus-Christ. Collaborate with the Lord Jesus. Pour joindre ses enfants avec l'onction divine de la puissance de la terre. With the divine anointing of the Lord. Cela veut dire que les apôtres, les évêques et les pasteurs viendront de la Guinée. It means that apostles, bishops, as I was walking on drugs, le Seigneur a commencé à me dire. The Lord was telling me. Imagine un peu. Imagine a little bit. Étant à Abidjan à l'époque. It, back in Abidjan. La plupart des hommes d'affaires. Most of the businessmen. Abidjan. In Abidjan. En Côte d'Ivoire. In Côte d'Ivoire. Sont les Guinéens. They are Guineans. Est-ce que vous savez que Barry Koba? Do you know that Koba, Barry Koba? Le goalkeeper, le gardien, voilà, le gardien ivoirien qui, par la grâce de Dieu, a été utilisé pour remporter la Coupe d'Afrique. Do you know that the goalkeeper of Ivory Coast that God used to take the to win the African Cup? A une origine guinéenne. He is a Guinean origin. Il y a un joueur français appelé Bernard Lama. There's a Guinean player, there's a French player that is called Bernard Lama. D'origine guinéenne. He's a Guinean origin. Même Djibril Cissé. Even Djibril Cissé. Donc l'Éternel m'a dit. The Lord told me. Rentre un peu au Libéria. Go little back, a little bit to the. Il y a un endroit au Libéria, surtout à Morobia, qu'on appelle Waterside. There's a place called Waterside in Liberia. On peut comparer ça avec Medina, Madina. We can compare it with maybe Madina here. Presque 90% des hommes et des femmes d'affaires là-bas sont d'origine guinéenne. Most of the business women and men here are Guinéens. Ça veut dire que la Guinée, Dieu a déployé la richesse entre les mains de la Guinée. It means that God has poured blessings, riches into the hands of Guineans. Pour transformer l'Afrique et la sous-région. To transform Africa. Presque tous les pays qui entourent la Guinée. Almost all the countries around Guinée. Ont eu la guerre. For war. La Sierra Leone. The Sierra Leone. Le Liberia. Liberia. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mon cher pays. My own country. La Guinée est intouchable. Guinée is untouchable. Alléluia. Amen. Parce que la main de l'Éternel est sur ce pays. The hands of the Lord. Parce que la main du Seigneur est sur ce pays. Seigneur est sur ce pays. Because the hand of the Lord is upon this country.
insulté et axé. Pas condamné. If I say condemn or donc je suis reconnaissant. If I say guilty, but les gens disaient que la femme était souillée. These people say that the woman was drunk. Les gens disaient que la femme était impure. They say she was unholy. Mais cette femme, this woman, was qui a dépensé. Okay, it was this woman that's un parfum plus cher. The most expensive perfume. Que tout ce que Jésus avait. That everything Jesus had. Lorsqu'elle a commencé à adorer le Seigneur. When she started worshiping the Lord. Et elle a cassé la bouteille du parfum. And she broke the bottle of the perfume. Elle a changé l'atmosphère. She changed the atmosphere. L'atmosphère qui avait brisé tout le monde. The atmosphere that broke everybody. L'atmosphère qui avait condamné tout le monde. The atmosphere that condemned Dieu everybody. A utilisé une femme. God used a woman. Rejeté dans sa société. A rejected in a society. Rejeté dans son pays. Rejected in her country. Sous-estimé par ses amis. Sous-estimé par son entourage. Dieu a utilisé. God used pour changer l'atmosphère. To change the atmosphere. L'information information. Envoie la révélation. Information bring revelation. La révélation by revelation envoie la conviction. Bring conviction. Et la conviction conviction envoie l'adoration. Bring adoration. L'adoration adoration amène à une connexion divine. And brings you to a avec le Seigneur. With the Lord. Avec le Seigneur. With the Lord. Avec le Seigneur. With the Lord. D'abord la Bible dit elle a entendu. And the Bible says that she heard. Dis à ton ami, demande à ton frère, qu'est-ce que tu entends? Tell your friend or the person by you, what did you hear? Elle a entendu que Jésus était assis. She heard that Jesus was seated. Pasteur, elle a entendu que Jésus était venu. That Jesus has come. On ne peut pas entendre jusqu'à ce que quelqu'un parle. We cannot, she's gonna hear until somebody speaks. Hallelujah. Amen. Donc il y avait des gens dans la rue qui parlaient que Jésus-Christ est dans cette maison. So people in the street was talking that Jesus in that house. Il y a d'autres qui parlaient. People others were saying. C'est parce qu'elle voulait entendre. It's what she il y a d'autres qui allaient au stade. Maybe at the pour le football. For football game. Il y a d'autres qui étaient dans le maquis. Other people were in the maquis. Ils parlaient d'autres choses. They were saying other things. Peut-être il y a quelqu'un qui insultait d'autres personnes. Mais other people were insulting. Elle dit non, c'est pas ce que je veux entendre. But she said it's not what I want to hear. Il y a un enfant qui a dit. There's a une femme qui a dit. Maybe there's a woman that said. C'est un homme qui a dit. Maybe a man said. Jésus-Christ visite cette ville aujourd'hui. Jesus is visiting your city. Elle dit voici la nouvelle dont je veux entendre. And she said, look, there's a news I want to hear. Il y a une nouvelle que je veux entendre. There's a news that I want to hear. Et j'ai entendu la nouvelle. And I heard the news. Et puisque j'entends la nouvelle. Because I heard this news. C'est l'information. Have the information. L'information. Information. Et une fois que je reçois l'information, and as I receive this information, je veux avoir la révélation de ce que j'entends. I want to see the revelation of what I see and hear. Pasteur, j'étais pas chrétien. Pastor, I was not Christian. Et au début, j'étais très petit lorsque j'allais à l'église. I was very small when I Mais après, j'ai quitté. But after I left, parce que ma mère n'était pas chrétienne ni mon père. My mother. Neither my father was a Christian. Lorsque je suis devenu un peu intellectuel, when I became a little intellectual, parce que à l'époque en Côte d'Ivoire, quand on dit pasteur, before then in Côte d'Ivoire, les pasteurs étaient tellement pauvres. Pastors were so poor. Pastor, that's true. Les pasteurs étaient tellement pauvres. Pastors were so poor. Pour avoir des offrandes, ils doivent parler. To have offerings, they would talk and talk. J'ai dit non. I say no. Je veux un médecin, un docteur. I want to be a doctor. Je veux pas. Je veux travailler pour mon propre argent. I want to work for my own money. Avec piété. With boldness. Je veux pas prendre l'argent de quelqu'un. I don't want to take the money of somebody. Donc j'ai considéré l'islam. So I consider. J'ai lu extensivement sur les religions. I read and extensively followed the étant intellectuel. As an intellectual. Étant éduqué. Educated. La seule chose qui m'a poussé à devenir chrétien. The only thing that pushed me to become Christian. J'ai étudié les personnalités et leurs religions. Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha et autres.
I studied personalities in their religion. Christian, Jesus, Muslim, Buddhism, everything. Même à la Mecque, even at the Mecca, il y a une boîte noire. There's a black box au centre, in the center, de la Médine. Of the Médine. Lorsque tu vas à la Mecque, when you go to Mecca, c'est pas tout le monde qui arrive à côté de cette boîte noire. It's not everybody who reaches this black box. Demandez les musulmans, c'est pas tous les musulmans, tous les musulmans qui savent ça. It's not everybody that reaches. Et tu reviens, tu deviens riche. And if you come back, you become rich. Il y a un autre fleuve là-bas qu'on appelle Zamzam. There's another river that's called Zamzam. Lorsque tu vas à la Mecque, when you go to the Mecca, et que tu arrives à ce fleuve, you reach, un peu seulement mettre dans le bouteille pour revenir, and come back, tu es vivant, tu es riche éternellement. You'll be rich. Bon, on peut dire continuously. Durant sur la, tu as jeûné sur la terre. In days of health, you will be rich. Mais, but, selon d'autres théologies dans l'islam, according to all theologies in Islam, cette boîte contient le tombeau du prophète Mahomet. This box contains the tomb of Mahomet. Donc, c'est-à-dire Mahomet est mort. So it means that Mohammed died. Sa tombe reste toujours là. His tomb is still here. Fermé. Closed. On ne peut pas ouvrir. We can't open it. J'ai lu aussi le Seigneur Jésus. I read about the Lord Jesus Christ. J'ai appris que Jésus Christ est ressuscité. I read that Jesus Christ resurrected. A dit je vais mourir. He said I will die. Après trois jours. But after 3 days. Je vais ressusciter. I will resurrect. Évidemment. Eventually. Ça s'est passé. And that was it. Donc ceci m'a donné la conviction, so this gave me conviction que si Jésus-Christ a vaincu la mort,